demandais un nouvel enregistrement. Ah ouais, c'est en train d'enregistrer. Bon, je vais lancer une partie. Hein ? Ah, je sais. Mais ils sont quand même en train d'enregistrer. Ouais, c'est bien, on va trop l'enregistrer. Ouais, c'est bien, on va trop l'enregistrer. Bon, mon speedrun a commencé. Thank you.
Ah, j'ai failli mourir au premier niveau. Ouais, honnêtement, j'avoue que j'apprécie énormément. C'est vraiment l'un des rares jeux que je pense sérieusement tryhard niveau speedrun. Tellement j'arrive à le maîtriser. Littéralement, je torchais le jeu en 20 minutes. Non, ouais, franchement, je trouve que tu as vraiment fait du très bon taf avec ce perso. Le plus marrant, c'est que quand Shovel Knight a eu du succès, ils avaient prévu de faire 3 épisodes supplémentaires sur 3 des méchants, et en fait, tu as eu un espèce de vote. Ce qui veut dire que dans un espace-temps parallèle, ce perso, il n'aurait peut-être jamais existé. Ah, en vrai, je suis plutôt content qu'il ait été sélectionné. Ouais. J'avoue que quand j'avais appris ça, le seul que je voulais qu'il soit réellement sélectionné, c'était Black Knight. Celui avec les potions. En vrai, j'aime bien son level. D'ailleurs, quand...
droite. Voilà. Et du honneur. Ah ouais. Je sais plus ce qu'il offre lui. Je sais qu'il y en a, il offre des items et l'autre il offre. Vraiment le plus important. En fait, c'est une espèce de potion. C'est vraiment l'un des plus utiles, je trouve. En gros, ça te permet de restaurer ta santé. Du coup, tant que t'as du mana, tu peux restaurer ta santé. Lui, il peut être aussi intéressant. Mais lui, il peut être une attaque à distance, en fait. Non, je vais prendre la serre. Je sais qu'elle sera très utile contre les monstres de Black Knight. Du coup, en vrai, ce truc, il est vraiment utile. Alors, je crois que lui, c'est pour les costumes. Et l'autre, c'est pour les améliorations de système. En partant de ce principe là, il faudra que j'aille voir lui en prince. J'espère que je ne suis pas bourré. Ouais, je confirme, c'était bien celui des améliorations. Encore plus de PV. Résiste aux interruptions et augmente la portée. Ouais, je l'ai déjà commencé. L'avantage c'est que tu peux vraiment le faire dans l'ordre que tu veux. Mais je vais quand même commencer par le donjon d'Irlande. Oh!
D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais je suis persuadé d'avoir oublié un crâne. Oh, pas grave. Ça change. Hein? Oh, pas vraiment, là, j'ai speedrun surtout le mode anniversaire. En gros, terminer le jeu le plus vite possible. Mais c'est vrai qu'un jour, je devrais speedrunner le mode 100%. Surtout parce que pour l'instant je suis assez mauvais en termes de connaissance du jeu. Des 100 quartiers. Ah si, effectivement. En fait, tous les niveaux étaient totalement renforcés. En fait, autant sur Shovel Knight, bah, c'était le jeu de base. Avec Black Knight, c'était les mêmes niveaux, mais juste tu combattais avec un perso différent. Mais là, en fait, dans l'or, comme ça se passe dans le passé, bah, tous les niveaux sont complètement différents. Oh! Quand tu bats Black Knight, enfin, quand tu finis le niveau de Black Knight, tu vas rentrer en fait. T'apprends Shovel Knight en fait. Ouais. En fait, dans le lore du jeu, c'est que Shovel Knight était juste derrière toi et qu'en fait, il est arrivé juste après toi du coup. Du coup, dans le lore du jeu, bah, tu te caches et tu apparais comme quand tu joues à Shovel Knight. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand tu bats le boss, en fait, à la fin, il obtient un demi-PV, donc c'est nous d'ailleurs, et il réussit à te battre. Sauvegarde. Mon plan a marché.
Je sais pas pourquoi, mais pendant le... Enfin, le téléchargement du jeu, après que le jeu était téléchargé, t'as eu un message d'erreur qui disait que l'installation était impossible d'être terminée. Mais je sais pas si c'est parce que c'était sur mon compte. Ah, c'est bon pour ça. Pourquoi tu l'as trouvé quoi comme jeu? Oh, ça veut dire que c'est mon dernier speedrun. Genre Minecraft. Vu qu'Alex a supprimé le serveur. Hein? Ah. Et bon. Je me demande d'ailleurs, est-ce qu'il existe des guilds sur Minecraft? Parce que techniquement, il y en a sur Warcraft ou sur Horde ou n'importe quel autre jeu, mais vu que Minecraft c'est pas vraiment un jeu compétitif, il peut pas vraiment y avoir de guilds ou d'équipes sport de guilds. Sérieusement? C'est pas l'équipe du lundi ou autre comme ça? Ah oui, quand même! Et bon. Je vais attendre le prochain cycle. Allez, dépêche-toi. Bon. Oh. Oui. Oh. Deuxième échec pour la ville de Levallois. En plus, j'en suis qu'au deuxième des 10 boss à affronter. Enfin, 12, je crois. Parce que, en plus, t'as l'enchantresse. Et t'as. Bage, je crois. Et Raze. Et d'ailleurs, dans l'histoire du jeu, t'apprends que Raze, en fait, c'est le fils de Specter. Raze. Ouais, le héros gentil. Ah, oh, c'était gentil. Bon, c'est juste pas de la merde. Ouais. Proche de la fin. Oh, tu penses que je vais terminer le jeu en combien de temps? 1000 heures. Heureusement que j'ai pas dédié cette première run à Ophélie. Elle aurait été déçue. Le Valois. En référence à la ville où se trouve mon petit sport. Je pourrais nommer ma prochaine run Balkany en référence au premier président de mon club. En plus, il a vraiment été le premier président de mon club de sport. Ouais. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, comme tout ce qu'il y a le ballon, en fait. Bah, effectivement, c'est pas vraiment un dictateur. Ah oui,
Ouais, c'est ça. Et qu'en plus, bah, les Nations Unies pouvaient même pas, entre guillemets, l'attaquer. Parce que comme ils déclaraient la guerre à personne et qu'ils faisaient pas chier les US, bah, personne ne mettait de sanctions. Oh, je suis en train de déshonorer la ville de Levallois. Maintenant, j'imagine Patrick Balkany triste. Qu'est-ce qu'il dirait s'il me voyait jouer comme ça? Ça va interrompre l'enregistrement ou pas? Ok. Et ça va pas interrompre le jeu non plus. Ok. Tu veux le relancer maintenant? Et d'ailleurs, le fait de changer de compte, ça va pas interrompre l'enregistrement non plus. Ah! Faire, mais en utilisant mon mana pour restaurer ma vie. Ça quand même j'aurais pu gagner tout à l'heure en vrai. Par hasard, pile au moment où je me dis si j'échoue, j'utilise mon mana, là je gagne. Donc là, ça veut dire que je peux techniquement battre le boss sans utiliser d'items spéciaux. Et ça, c'est un bon point. Oh,
Ah, je suis déjà à 33 minutes. Hein? Ok, ça va être mon défi. C'était pas plutôt le terminer en moins de 30 minutes? Ouf, je sais pas. We'll be right back.
Bon, il me reste plus que... C'est le checkpoint que j'aurais pas dû le deuxième boss. We'll be right back.
Oh. Et j'en suis à 50 minutes de jeu. Ah, et ton autre jeu est installé. Je le récupérer. Pour le speedrun.
Hey, t'as une limite de temps de 60 minutes. Ah mais du coup ce sera pas une run en une fois. Ce sera du coup en plusieurs parties. Du coup ça va vraiment m'obliger à être très très beau en fait pour le terminer en une heure. Il va rester qu'une minute de jeu. Du coup, je vais attendre que ça se termine. Et comme ça, je relance un enregistrement juste après. Quand j'appuie sur le joystick plus bas, je suis en moyen rythme.